Bonjour à tous, bienvenue à notre streaming in maquette. Je suis donc accompagné de la belle équipe. À ma gauche, nous avons Guillaume, au milieu Raphaël et à droite Hugo. Donc, suite à notre petite péripétie d'hier, malheureusement, voilà, nous revoilà. On est donc ici pour vous faire un speed challenge. L'idée, c'est voilà, chronomètre. Allez, on va donner quoi, 25 minutes, 20-25 minutes. Ils ont donc la même maquette à faire. Et ça va être à vous de juger qui est le meilleur, qui a fait la plus belle maquette. Donc avant de se lancer, on va passer aux présentations. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bah, Hugo, t'as qu'à commencer. Guillaume, spécialiste plutôt de la brique type Lego, Kobe, etc. Je fais un peu de modélisme de Wargame, etc. Je suis plutôt spécialiste des travaux non finis, ceux qu'on oublie de peindre, qu'on oublie d'assembler en entier. Mais bon, alors, ce que ça va donner avec celle-là, avec le temps limité. D'accord, voilà pour le premier participant dans Guillaume. Au milieu, le deuxième. Moi, je suis spécialiste de à peu près rien du tout. Donc, c'est la première. Donc, voilà, ça va être une première. Donc, j'espère que je vais rivaliser avec les autres. Donc, on prend pour moi la chose du débutant. Et le dernier participant, Hugo. Hugo, spécialiste des doigts collés, de la peinture sur les murs. Première maquette d'avion. Spécialiste de Wargame aussi. On va voir ce que ça donne, on va gagner. Du coup, l'idée c'est, vous pouvez voter pour l'un des participants, je rappelle les noms, Guillaume, Raphaël, Hugo, et c'est vous qui allez décider qui est le meilleur, peut-être attendez qu'ils aient commencé, et parmi tous ceux qui auront voté pour la plus belle, Raphaël, le meilleur. On fait gagner, du coup, petit tirage au sort pour vous faire gagner un chèque cadeau de 10 euros. Donc voilà, attendez qu'ils aient un peu commencé à les monter, ensuite, voyez qui a l'air le mieux parti. Votez, et après on fera le tirage au sort. Du coup, voilà, on vous a mis le chronomètre en haut à droite. Combien de temps il nous reste? Je ne l'ai pas sous les yeux. Messieurs, vous avez 24 minutes. Est-ce qu'on se lance? C'est bon, vous êtes plus prêts? C'est pour la première mot. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Du coup, c'est parti. 25 minutes. Je vais peut-être, pendant qu'ils ouvrent leur boîte, vous présenter la maquette. Donc, on est parti sur le Super Mystère B2 de chez LR. 21 pièces, donc assez rapide. Quoi vous dire d'autre? C'est du 1 centième, donc c'est beau comme avion. Donc, ils ont tous les mêmes outils, tous les mêmes cols. Et voilà, ils n'ont pas d'instructions particulières. S'ils veulent sortir la peinture, ils peuvent, mais en 20 minutes, ça va être court. Donc, l'idée, c'est de voir qui fait la plus belle. Donc, c'est parti. On voit que ça découpe. Pas se coupant pour tout le monde. Je vois que ça ne démarre pas forcément. Il y en a qui font de l'aileron, les autres fuselage. Il y en a qui jouent sur les petits bouts de grappe qui dépassent, les autres non. Eh bien, je vous laisse commencer. Je vais me mettre aussi sur les commentaires. On va regarder qui est avec nous. Alors, qui nous suit aujourd'hui? Oh, il y a Philippe Ochard qui dit go! Et qui dit coucou, on n'est pas mercredi. En effet, petit décalage, souci technique d'hier. Il y a Bruno qui vous dit bonne chance à tous. Merci, on va essayer de faire ça bien. Eh bien, c'est joli. Alors, je vois qu'il y a la petite boîte ici qui gêne un peu. Je vais la laisser comme ça. Ok, c'est les peintures. Voilà. Alors, on va aussi passer éventuellement à un plan en plus gros plan. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez. On va zoomer sur les différentes maquettes. Pour que vous puissiez voir. Du coup, ici nous avons Guillaume qui est en train extrêmement concentré son fuselage. Essayer de ne pas perdre de temps, mais de faire les choses bien. Parce qu'il faudra que ça tienne après quand même. Alors 20 pièces, 20 minutes, ça vous fait à peu près une pièce par minute. Ah, mais peut-être pas tout le temps. Donc voilà pour le début de la maquette du Super Mystère. Je vais passer à côté pour regarder notre débutant. Mais c'est une maquette pour débutant, donc il a toutes ses chances après tout. Et le cher Raphaël, qui a l'air d'avoir pris un petit peu d'avance sur déjà les deux autres. Je parle un peu avant. Vous avez vendu un peu la peau de l'autre parce que la connexion est perdue. Super.
Ça aurait été trop beau, décidément. La connexion réussie. Avant sur Facebook, si on a été kické. Alors. Ouais. Allez, reprends un petit streaming. Reconnexion réussie. Non, non, allez-y, le chrono il tombe toujours. Hein. Est-ce que toi t'as été déconnecté? Ouais, c'est bien. Le chrono 21:57, 21:41, 21:53, il tourne encore. Ok, la 81 a eu un petit coup de chaud, mais nous sommes toujours en direct. Tant mieux. Donc là, je zoome sur qui? Ouais, alors peut-être qu'on va repasser sur le plan. Voilà. J'espère qu'on est toujours en direct. On va voir, le chronomètre tourne toujours. Hein. Ça, c'est plutôt bon signe. On va repasser au plan commun que vous voyez nos trois maquettistes à l'œuvre. On avait vu, on s'est mis un gros ring derrière. Compétition. Je vais essayer de réparer ça de mon côté. Alors. Oh, ça cogite, ça cogite. Alors, je m'en vais, je vais faire plus ou moins pour savoir. Je vais appeler la fille plus ou moins pour savoir s'il y a un moment de mercure. Moi, je n'ai pas eu de pouvoir. Alors, je vais tester quelque chose. Voilà, c'est reparti pour un tour. Un peu fou, ça. Toc. Alors, est-ce que nous avons des commentaires? Est-ce que nous avons des premiers votants? Likez, partagez, commentez, tentez de gagner un bon achat, mille et une maquette. Absolument. Donc, oui, vous avez juste à dire. Raphaël, je vais vous zoomer ça. On fait les roues. On fait les roues. Les roues. On a commencé, on a alors, est-ce que ça marche? Non. On me dit qu'il y a un souci avec cette caméra. Alors, on va laisser tomber. Parole de l'autre. Je vous mets l'autre caméra. Donc, le zoom ne marche pas. Quoi? Ça marche pas? Bon. On me dit que la caméra n'est pas idéale. Alors, je me remets sur les commentaires. Combien sommes-nous? Nous sommes 6. Ah, décidément, vous devriez participer. Alors, vous avez une chance sur 6 de gagner. Dites un nom. Votez pour qui va gagner selon vous. Alors, messieurs, est-ce que vous avez des difficultés particulières? Est-ce que vous avez déjà fait des bêtises? Alors, des bêtises, non, mais... Des difficultés? Des difficultés sur les petites pièces. Ah, bah ça fait partie du jeu, hein. T'étais là, justement. Mais bon, ça va tarder. Ça va commencer. Hop, le petit cockpit. Pas 10 heures, mais à partir de 10, c'est tac. Je viens de le faire. Ok, très bien. Bien parti. Ça ressemble à un avion. Ça ressemble à un avion. Eh bien, n'hésitez pas à voter pour Raphaël pour tenter de gagner voilà. Mon cadeau. Il est presque. Ah. Ok. Moi, je demande un verre à monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Un verre, pas d'accord. Du verre avec de l'eau. Du verre avec de l'eau. C'est pas pour boire. Tu veux faire quoi avec de l'eau? Il veut boire. Non, non, on ne veut pas boire. Décaponie? Je ne dévoile pas mes plans, mais ça. Je ne dévoile pas. C'est la stratégie. Je viens de perdre une pièce. Ah! T'es vert. Ah, ben ça, c'est une maquette. Et surtout oui. Avec le fond comme ça. J'ai même pas vu la partie. La t'aider sur ce coup. Oh, non, pas d'aide. T'as pas le droit d'aider. C'était quoi comme quête? C'est important. Il se débrouille. Il se débrouille. C'est là. Alors, juste là-dessus, c'est l'horreur. Notre petite protection multicolore. Ça va tomber. Je sais pas, peut-être. En carte de change, est-ce que j'en ai une pour toi? I will be lovely. Yeah. Ah, il y en a une là, je crois. Ça, c'est pas étonnant. Tiens, c'est le petit trou. Hop. Merci. Bon, non. Carton jaune pour Hugo. Carton jaune, carton rouge. Enfin, je donne des coups de coude. Hop, je passe devant la caméra, pardon. Alors, est-ce que nous avons des participants? Pas encore. Personne ne regagne aujourd'hui. Ils attendent peut-être de voir ce que ça va donner. Encouragez-nous quand même. Ouais, c'est sympa. Des bons encouragements, là, Philippe, Bruno. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Alors, je vois qu'on n'a pas de like ni de partage, donc n'hésitez pas à nous liker et à partager comme d'habitude. On adore ça. On pourrait faire ça aussi, défier des internautes, ça serait sympa. Ah oui, alors, c'est vrai.
qu'on va créer la compétition du Super Mystère. Ouais, de toute façon, je n'ai plus de nouvelles. Pas forcément du Super Mystère. Il y a plein de maquettes. Bah tiens, moi, je vais pendant ce temps-là vous montrer la maquette finie que j'avais faite pendant un de nos streamings précédents. Voilà le modèle fini. Ce à quoi il faudrait que ça ressemble idéalement d'ici combien de temps? Combien de temps vous restez-il, messieurs? 16 minutes. Qu'est-ce que vous, vous allez être large. Combien d'étapes il y a? Tiens, je vais dire ça à nos amis. 6 étapes. 6 étapes, d'accord. Ah oui, avec la numéro 4 qui est assez complexe. Il y en a des pièces là-dessus. Ah, d'accord, et derrière, c'est juste la déco. D'accord. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent faire des décalcomanies. Il me semble qu'on a qu'une seule paire de ciseaux à faire à la fin. Ah, bah oui. Ah, non. Ça t'a mis une cible. Il joue une cible, lui. Les missiles. Moi je dis les trois sont bons. Super Philippe, Philippe vous encourage. Oui, c'est gentil, merci. Il va falloir les départager quand même. On compte sur vous pour voilà, décider laquelle est la plus belle. Et parmi, donc c'est vous qui allez décider qui est le meilleur. Et parmi tous ces votes, on fera un petit tirage au sort. On fait un petit cadeau. C'est dur, hein. C'est dur, le missile, c'est dur. Alors, est-ce que cette contrainte de temps presse moi, j'arrête pas d'avoir les mains qui tremblent. Ouais, c'est gênant, c'est gênant. Avec les petites pièces en même temps. C'est vrai qu'on va un peu, comment on dit, grimper des sentiers là-dessus, n'est-ce pas? La maquette, normalement, c'est patience, minutie. Et là, c'est vrai qu'on a mis une grosse contrainte de temps avec le chronomètre, donc là, c'est vrai que ça change un peu. Il faut finir au plus vite. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. Ouais. D'accord. Je commence à voir des avions avec des trains d'atterrissage. Je vois des détails sur certains, mais pas sur d'autres. Ah, je ne dis rien, je ne dis rien. Ah, ils se regardent, du coup, ça compare. Oh, ça part en décalcomanie à ma gauche. Les décalcos, c'est après la peinture. Ah, écoutez, à chacun sa technique. Bah, on verra si t'as le temps de peindre. Il y a Philippe qui nous dit le meilleur, c'est moi. Tu dois avoir la pince, monsieur l'arbitre. La pince pour l'arbitre. La pince pointe? Non, la pince. Voilà. La pince. Merci, monsieur l'arbitre. Comme ça. Monsieur l'arbitre. Oh là là. Oh, j'ai pas les. Oh, je vois plein de cœurs, plein de love, plein de likes. Super, merci beaucoup. Je suis en galère avec les missiles. Donc apparemment, difficulté au milieu sur les missiles. Donc c'est trois petites pièces qu'il faut coller l'une sur l'autre. Et après, avec ces trois pièces, une fois unies, il faut venir les mettre sous l'aile. Apparemment, ce n'est pas si simple. Est-ce que les autres les ont fait? Oh, je vois des missiles chez Guillaume à gauche. Bien sûr, les missiles sont là. Les missiles sont présents. Donc ce sera à vous de juger ensuite, hein, qualité globale, justement, est-ce qu'il y a des détails ou pas, est-ce que c'est bien monté, est-ce qu'il y a de la peinture, est-ce qu'il y a de la colle, enfin, de la décalcomanie. Ce sera à vous de juger. On vous fera un gros plan final, évidemment. Oh, j'ai cassé une mise. Oh, il y a eu de la ça casse. Ça se sent pas bon à gauche. Ah, on va voir, peut-être qu'il peut, il peut camoufler tout ça. Hein. Il peut remonter la pente. Un petit bout de colle, ni vu ni connu. C'est justement que ça colle pas. Il faut de la patience, il faut de la patience. C'est ça, mon ami ? J'ai pas de patience, j'ai jamais eu de patience. Ah bah pour les maquettes, c'est plutôt nécessaire. Là, ça va, il n'y a que 20 pièces, donc s'il y a 600 pièces, mieux vaut être patient. Surtout quand on a une contrainte de temps, c'est dur d'être patient. Petit coup de chaud, reconnexion réussie. Attention, est-ce que le chronomètre va se mettre à jour? Oui, c'est repassé. Ok, il y a eu un petit coup de chaud de la livebox. Mais nous sommes toujours là. Plus que 10 minutes, messieurs. 10 minutes. Allez, 11, j'ai arrondi. Hein.
11 minutes pour être précis. Ouh, grosse technique de Guillaume. Je pense que vous ne pouvez pas voir à cause de son gobelet. Mais je vais décaler le gobelet pour montrer ça. Utilisation de la colle en support. Mode de décollage. Guillaume a mis des missiles. Oh, les missiles arrivent chez Raphaël. Oh, et là-bas, ça pose. Ah, les missiles, c'est important. Oh, grosse technique à ma droite. On utilise des pots de peinture pour stabiliser l'avion. À gauche, on utilise la peinture. Donc, c'est à chacun sa technique, c'est intéressant. Après, ils ne font pas les mêmes pièces. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus utile à chaque fois. Enfin, chacun fait ce qui l'arrange le plus. Et Warren Jezekel participe. Il nous salue. Salut Warren, bienvenue. Aujourd'hui, l'équipe Mini Maquette se défie. Ah, un participant qui rage quit. Non, il va chercher du matériel. Oh, ça va chercher de la peinture. Est-ce que tu as des pinceaux ? Chercher. Ah, j'aurais dû m'utiliser. Allez. Du coup, oui, je rappelle éventuellement pour ceux qui seraient en train de se connecter en plein milieu. Donc, l'équipe Mini Maquette se défie autour d'une maquette, la même, le Super Mystère B2. Donc, 21 pièces. Et l'idée, c'est qu'ils ont une demi-heure pour faire le plus bel avion possible. Et ce sera à vous de juger à la fin. Donc c'est vous qui voterez. Et du coup, celui qui aura le plus de votes parmi donc Guillaume à gauche, Raphaël au milieu et Hugo à droite, celui qui aura le plus de votes, donc sera le gagnant selon vous. Et du coup, tous ceux qui auront voté pour le gagnant, eh bien, on fera un tirage au sort pour lui faire gagner un bon cadeau. À valoir sur le site, il y a une maquette. Donc, messieurs, les dernières minutes. On va passer à voir des 10 dernières minutes, donc 9 minutes 25. Ah, il y a des calcomanies. Ça tremble, ça tremble. Des calcomanies. Ah, j'arrive pas à les saisir au fond du gobelet. Oui. Oh. Aïe. Je vois qu'il y en a qui partent en décalcomanie, d'autres qui misent plutôt sur la peinture. Et l'autre, Raphaël au milieu, ça c'est plutôt super détail, alors si je comprends bien. Toi tu l'as fait à fond, mais pourquoi pas. À chacun sa technique. Là, mais je vais partir sur les décalcomanies également, parce que là, faute de temps. Là, il faut rendre une copie dans 8 minutes. Philippe Ponchard, celui du milieu. Oui, c'est Raphaël au milieu. Mais il dit pas grand chose. Est-ce que c'est un vote? Votez pour moi. Vous pourriez lui faire plaisir, vraiment. Pour le moment, zéro vote. Après, peut-être que vous attendez en effet de voir les maquettes finies, ce que je peux comprendre. Ça me paraît en effet plus logique. Bon, ciseaux. Monsieur l'arbitre, ciseaux. J'ai des ciseaux, normalement. Ils sont en utilisation à gauche. Ah ouais, instant. Ah ouais, mais là, c'est pas possible. Ah, c'est partagé. Il fallait réserver. Merci bien. C'est tendu. Alors, en fait, il y a des commentaires que j'ai pas vus. Alors, vas-y, Bruno. Il y a Bruno qui dit Raphaël donne des coups de coude à Guillaume. Parce qu'on a vu Bruno, parce que Guillaume est bien parti avec ses décalcomanies. Ouais. Non, interdiction sous peine de carton. Il y a un arbitre qui est là pour faire. Hey! Et le moment où je pose. Oh, ça part en peinture. Ça part en décalco. Ouais, mais avec une seule couche. Ah. En plus, tu fais ça bien. Et tu dilues et tout. Toujours en rigolant. Mais si. Une fois qu'on a laissé les décalcomanies, on peut passer au collage des missiles. Allez. Espérant qu'ils ont séché. Aïe. Ah, c'est corsé là. Oh, c'est difficile. Je me souviens, j'avais eu pas mal de difficultés pour les mettre. Et oui, en plus, il y a un Z là. Le Z n'est pas facile. Mais vous avez les mêmes. Hein. Du coup, pas d'excuses. Vous faites ou vous faites pas. On est l'autre. Vas-y, Guillaume. Oh, Guillaume, il a un fan. Bruno a l'air de voter pour lui. Merci, Bruno, ça me fait chaud au cœur. Achat qui dit que le meilleur gagne. En effet. C'est la compétition. Alors, sa technique, si tu veux prendre une pince. Tiens, prends ça pour récupérer ta technique.
C'est fini? Too late? Too late. Petit conseil de l'arbitre. Mais c'est dégoulé au fond de l'eau déjà, tu vois. Ah bah moi c'était pareil. Hein. Tu l'as laissé un peu trop longtemps. En voulant gagner du temps en l'entrant pour plusieurs, c'est ce que ça donne. Du coup, petit point chronomètre, nous, nous approchons des 5 minutes, 5 minutes et 30 secondes, messieurs. Bon, j'aurais fini avant, c'est bon. Avant la délibération. On est un peu en train de démystifier les maquettes, finalement, je suis en train de me dire, vous voyez, comme quoi c'est pas si long, si difficile, en à peine une demi-heure, hop, ils auront fait avion et peinture pour certains, ou décalcomanie pour les autres. Du coup, vous voyez que pour les débutants, bah, au final, c'est assez simple. Et oui, c'est ça. Et en plus, voilà, on a mis Raphaël qui a une expérience d'environ 2-3 maquettes. Donc, on ne ment pas. Franchement, c'est faisable pour tout le monde. Et on prend du plaisir. On s'amuse. Si on a pas de coup d'épaule. Du bon stress, du bon stress. Du coup. Bon, moi, je vois les maquettes monter. Vous avez au moins réussi à les monter complètement. Et alors après, je vois différentes stratégies. Décalcomanie versus peinture. Peut-être que Hugo va réussir à vous mettre un petit décal. Je ne sais pas s'il a pris goût. Non. Là, tu mises tout sur la peinture. Et même la peinture, je ne vois pas. Ah. Je vais faire la bonne technique. Stratégie. Il vous reste donc 4 minutes avant la décision finale du jury. Que vous êtes? Très bien. Il y a Gilles qui nous dit massacre. Comment ça, massacre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il entend par massacre. Peut-être qu'en effet, le fait de faire des maquettes avec une contrainte de temps, ça ne lui plaît pas. On sait qu'en effet, normalement, voilà, il faut prendre son temps, faire les choses bien, etc. Mais c'était l'idée de ce streaming. Petit contest. On sort, comme je l'ai dit, des sentiers battus. Et voilà, vous verrez, il tremble et tout. C'est assez sympa à regarder. Non, 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 pas. Depuis que je trouve les sous. L'impression monte, plus que 3 minutes, messieurs. 3 minutes, 3 minutes. On ne peut pas demander du temps supplémentaire, il n'y a pas de comme dans non, il n'y a pas de prolongation. Non, pas de prolongation, pas mais j'entends du temps additionnel. Ah, peut-être qu'il y a un match nul. Non, c'est même pas une question. À la fin des matchs de foot, il y a toujours un peu de temps additionnel. Ouais, mais ça, c'est en cas de problème, s'il y a des fautes ou quoi, je suis pas sûr. Il y a eu un problème là. Quel a été le problème? Problème, voilà, il y a un problème, c'est qu'on avait un ciseau pour 3. Ah, il y en a un qui l'utilise. Voilà. Donc on peut rajouter un temps additionnel. Décalcomanie. Ah non. Et décalcomanie dans les dernières minutes. Dans quel sens? Ah, M. Ponchard, oui, on a vu votre demande concernant le bon. On s'en occupe juste après, promis. En fait, on l'a fait, c'est juste, oui, on ne vous l'a pas envoyé. Si tu l'as envoyé ce matin, normalement. Ah bon, d'accord, on me dit qu'on l'a déjà fait, en fait, M. Ponchard. Regardez sur Facebook, vous devriez avoir un message de, par mail, tu l'as fait ou par... J'ai envoyé sur Facebook, il m'a répondu. Ah bon? Ah, et encore, je pensais que c'était un « et encore une fois », vous ne m'avez pas envoyé. Ah non, c'est « encore merci ». D'accord, attends, moi. Heureusement que quelqu'un suit les commentaires. Avec le direct, je n'y étais pas. Ok, ok. C'est moi qui vous ai répondu qui voulait faire votre bon d'achat, M. Ponchard. Oh, on essaie d'acheter, là, on essaie d'acheter. Essaie d'acheter les votes. Attention au carton. Il reste pas loin d'une minute. 1 minute et 20 secondes. Ah oui, c'est bon, lui, c'est bon, je l'ai eu quand même. Il est top. Je suis foutu. Ma peinture, elle est passée, je peux pas continuer à faire la peinture.
peut faire les roues, c'est tout. On dit rien, on dit rien. À ma gauche, il a perdu. Ça va se jouer. Ah, c'est pas vous qui votez, ce n'est pas moi non plus. Pourquoi pas. C'est vrai que tu penses. Plus que 50 secondes, c'est la fin. Dépêchez-vous. Cinquante secondes. Quarante-cinq. Je n'ai pas mis le tic-tac. Mais croyez-moi, ils l'entendent. Oh là là. 30 secondes. Ah, c'est vrai. Eh oui, donc c'est fini. Eh non, 10 secondes, d'accord. Bon, on va vous accorder 20 secondes de plus, alors. D'accord. Ok, pardon, je me basais sur notre streaming. En fait, il faut... D'accord. Eh bien, messieurs, il vous reste 10 secondes. Dans 10 secondes, on arrête tout. Vous levez les mains. Attention, je fais le chronomètre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. On est là. Bravo à tous. Félicitations. Donc 30 minutes, même un peu moins, parce qu'on a commencé un chouïa après. Et bah bravo, félicitations déjà à tous, merci pour votre participation. On va donc regarder de plus près tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah peut-être que le mieux... J'ai pas collé mes missiles. Est-ce que j'ai un temps additionnel pour coller mes missiles? Non. Je les ai fait en plus, j'ai galéré, j'ai pas mis tellement de temps, j'ai même pas le temps de les coller. Ah, c'était ça, ça venait d'un petit jeu. Hop, on va faire les missiles, c'était la base. Alors, c'est bon, j'ai fait le coup. Ah, c'est vrai que ça rend bien. Ah, ouais, en plus, je me disais, la webcam, ça va faire un dur, ça va faire un mois. Les quelques roues. Bah, du coup, tu veux faire un close-up? Je sais pas, posez-les là, on va voir ce que ça donne. Je vous propose de les poser avec mes roues. Ah, c'est un carton, ça. Moi, mes roues, elles sont pas. Bravo à vous, les gars, bien joué, les gars, on vous félicite dans tous les sens sur Facebook. Du coup, voici les bêtes. Ah oh là là. On veut pas qu'il atterrisse, le bien. Oh, il le bouge. Voilà, non. C'est parce qu'il a rangé les trains d'atterrissage. Ah, il les a rangés. Ah, bah moi, j'ai parti d'avoir une maquette qui représentait un super mystère en vol. Du coup, y a... on voit pas les roues. Du coup... Alors oui, c'est vrai, peut-être que je vais faire un zoom, le problème c'est que ça risque de casser un peu notre écran vert, bah, allez, c'est pas grave, de toute façon c'est bientôt fini. Ouais. Du coup, je vais vous zoomer, et eh bien c'est à vous de décider, vous avez donc Guillaume à gauche, Raphaël au milieu, Hugo à droite, je vous montre les maquettes associées qui sont dans le même sens. Petit allez, zoom, là, est-ce que vous voyez quelque chose? T'as un peu improvisé en plus au niveau des décalcos. Regarde, tu vois. C'est vrai. Mais pas mal, il y a du bon. La crêpe. Est-ce que je suis zoomé? Est-ce qu'on voit bien? On dirait qu'il a fait la guerre de 100 ans, ton truc. Du coup, c'est parce que... Guillaume. Alors moi, je suis parti du principe que les roues, ça allait être trop compliqué et que je préfère de toute façon représenter des avions en vol. Du coup, j'ai pas mis les roues. Je me suis dit que les missiles c'était plus important et je suis parti directement sur les décalcomanies. Du coup, étant donné le temps très très raccourci, je me suis dit que ça rendrait mieux sur une période si courte. Donc voilà mon belle stratégie. C'est malin. Je des roues, mais il faut des décalcos. D'accord. Je vais quand même mettre des missiles hein, parce que je les ai faits. C'est comme dans Top Chef. Ils sont lancés. On n'a pas eu le temps de finir. Mon avion. Le monde de tous les sens. C'est train, alors lui, c'est train rétractable. Voilà. Il a inventé un concept. Quand il atterrit, il arrive. Sauf que quand il est là, hop, il les enlève. Il les rétracte. Pas mal. Et du coup, pour finir, tout à droite, il s'est lancé dans la peinture. C'est vrai, quand même, félicitations, parce qu'il a réussi à tout faire, deux couches. Mais c'était pas ça pour appliquer les autres peintures. Vous passez, normalement, vous devriez voir ça très bientôt. Ça y est. Bon, pas terrible. Et moi, j'ai été troublé un moment pour les verrières parce qu'il y avait deux bouts et je me disais, oh, bah non. Quelle va le mieux? Et bah, c'est la question que je me suis posée aussi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais sur la plus grosse parce que j'étais pas sûr. C'est la même chose, je crois. Du coup, il y avait un doublon? Bah, non, c'est pas un doublon parce qu'elle est plus petite. Mais du coup, je me posais la question s'il fallait mettre une ou les deux. D'accord. Bon. Et du coup, j'ai eu du mal à coller ma décalcomanie de devant parce que
Ça prenait trop de place. Je pense que c'était prévu plutôt. Ah non, pas là. Ok, ok. Alors, maintenant, c'est à vous. J'ai bien fait de ne pas faire les décalcomanies, il n'y en avait pas dans ma boîte. Ah oh non, c'est pas drôle, il n'avait pas la même. Bah, de toute façon, c'était un parti pris que tu avais pris. Alors. Je les avais pas fait. Bon. Ah, je suis quand même content. Hein, vous non, avez des bonjours, plein de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas de support, mais ça, je pense que c'est Martin Raphaël. Des bravos, ils sont beaux, même s'il y a un qui a raté son atterrissage. Mais ça, je ils sais, se quoi. Sont bien déchirés, donc égalité, me dit-on. Bah, écoutez, votez quand même, dites un nom. Oui, et vous, qui est-ce qui a fait le plus beau, selon vous? Je vais peut-être vous remontrer celui-là. C'est moi, ça. Allez, votez pour moi. Alors, les missiles sont vraiment pas mal. Merci. Ah, je m'étais donné, j'avais passé. J'avais passé. Mais sur les ailes, toi. Mais il est beau, mon avion. Voilà, voilà. Du coup, des votes. Si vous voulez gagner un bon, n'hésitez pas. Votez pour l'un de trois. Qu'on sache qui a gagné selon voilà, les viewers, ni une maquette. Arrêtez de bouger la caméra, ça fait mal à la tête. Je vote pour Hugo, le plus entrepreneur avec sa peinture. Oh, Philippe Pouchard qui vote pour le 3, ça fait 2 votes pour Hugo. Ok, bah 2-0-0, je laisse éventuellement les autres voter. Est-ce que Mylène Maquette a voté? Non, on ne va pas influencer, on ne va pas influencer. Le 3... Oh, alors, ça a l'air d'être Hugo qui va gagner. Personne pour le 1, regardez, c'est des calcomanies. Pourtant, il avait une belle stratégie. Ouais. Regardez, c'est des calcomanies, le résultat final tout de même. Raphaël vainqueur. Pourquoi Raphaël vainqueur? Commentaire. Ah, c'est Bruno. D'accord, donc ça fait 2-1, personne pour Guillaume pour le moment. Personne pour moi, allons. Alors que moi, franchement, c'est pas mal. Regardez cette création. La stratégie d'attaque était plutôt pas mal en plus. Ah, c'est pas de goût, je me mets en volant et tout. Ah bah oui. Et pourquoi il continue Hugo là? Dis donc. Je fais le côté qu'il voit pas. Ouais, bon, je reviens tout de suite moi parce que j'aime pas trop ça. Bon. Alors j'ai mis un go pour Guillaume. Allez, il y a bien quelqu'un qui va voter pour Guillaume, non? Mais il y avait quelqu'un qui avait voté pour Guillaume. Ah bon? Je te dis bêtises ça? Pendant le milieu du stream, je crois. Ah oui, tu disais qu'il était bien parti, mais il me semble que c'est M. Ponchard, non? Et du coup, il a voté pour toi, tout de même. Bien joué, M. Ponchard. Ah. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas beaucoup plus de votes, eh ben, on va déclarer Hugo vainqueur. Non, 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 pas bon ça. Il faut qu'on déclare vainqueur à laquelle finissent les votes. D'accord. Bah, c'est trop facile de dire, ah bah Hugo, il a plus de votes, on arrête là. Non, mais c'est quoi ça? Eh bah, ben, moi je dis, on reste une minute alors. Allez, à 38. Ah, parce que les gens ont quasiment tous voté, non, je pense. Mais regardez, je vais vous la montrer de plus près, je pense. Parce que c'est pour ça que. Attendez, regardez. J'ai même fait le dessous, s'il vous plaît. Regardez. Il n'a pas mis les roues. Mais il n'y a pas besoin de roues, il est en plein vol. Regardez, tous les missiles sont là. Je ne peux pas démarrer. Mon avion, il est nul, il ne sert à rien. Mais comment ça, il est nul, mon avion? Regardez ça. J'ai fait. Toutes les décalcomanies sont là, sauf une ou deux, c'était les plus petites. Apparemment, ton débrief marche, parce qu'il y a une certaine Amélie qui nous dit « je veux ah voilà, mon succès, il est quand même reconnu. Ouais, je vous l'avais dit, je vous le montre du un coup, peu. Du coup, il y a une égalité entre Raphaël et Guillaume. Mais pour le moment, c'est Hugo qui gagne avec sa peinture et ses deux votes. Ah, ça fait 2-1-1. C'est le jeu, bon, hein, mais bon. C'est le jeu. Et il est 37, on peut encore voter, si vous voulez détrôner Hugo. Il vous reste quelques secondes. Et sinon, bah, il faut bien un vainqueur. Pour moi, ton intérêt, c'est de prendre du plaisir dans la peinture. Bah, moi, j'ai bien aimé les décalcomanies malgré le peu de temps. J'ai réussi à rectifier. Ah, ouais, mais.